Attention, inspire, je remets les talons au sol, je passe entre mes mains. Et tout doucement, je descends le coude, je descends l'autre, je suis à plat. Marquez un petit temps d'arrêt. Vous pouvez ouvrir, fermer les poings de façon à soulager de l'enchaînement précédent. Puis, je vous invite à poser les mains à plat sur le sol, paume de main sur le sol. Inspire, pied gauche tend vers le haut, flex comme d'habitude. Expire, pied droit, flex. Je vais profiter pour ce point un peu, hein, Lise. Lise qui va nous quitter, qu'on lui souhaite un bon départ, une belle vie en métropole, une belle carrière, beaucoup de réussite, mais surtout un maximum d'amour. Elle mérite. C'est vrai. Et puis tout doucement, je replie un peu talon-fesse. D'accord. Très bien. Je vais inspirer ici dans cette asana. Expire, je remonte les fessiers vers le ciel. Je m'installe mieux sur mes épaules. Pied droit, légèrement, légèrement canard. Inspire, pied gauche pointe. Expire, je m'en flex. Inspire, pied droit pointe. Expire, flex, je reste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je remets le pied gauche pointe et je le descends sur le sol. Je me réajuste. Le pied légèrement gauche, légèrement canal. Pied droite, je monte, flex vers le ciel. Expire, pied gauche, monte, pointe. Je reste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pardon, pied pointe. 10, je vais de l'autre côté, mais vous ferez 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Je repose le talon au sol, puis l'autre pied. Je bascule mes deux genoux vers ma poitrine. Les genoux s'écartent, mes mains s'enlacent autour de mes chevilles. J'inspire ici, expire, je remonte mon nez entre mes genoux. Et je tourne un peu. Je peux tourner jusqu'en bas. Ou faire du surplace avec le crâne en l'air parce que vous êtes des avancées. On peut faire la même chose avec le crâne au sol, mais ça n'aura pas la même répercussion. Très bien. Je reviens au centre. Et avec le crâne, je peux faire un peu non. Très bien. Pour ma chère Sophie, tu as apporté tes meilleurs amis. Eh bien, c'est le bon moment pour s'en servir. Je vais te les approcher. Tu veux la petite ou la grande? Comme tu veux. C'est pareil. Je te passe la petite, Maïté. Tu vas la mettre dessous. Ma chérie, Luna pas, ça va aller? Oui. Très bien. On va passer sur la bougie rose. Chère Ronda, ça va? Tu avais gros. Je ne m'en plus. C'est ton bassin, c'est ton bassin. C'est pour avoir un appui. Ah, remarque, il y a un petit ballon là-bas. Ouais. Tu veux un petit ballon? Pourquoi pas? Allez, ah, ouais. Donc, hein, je me permets, Sophie. Hein. Je ne suis pas chez moi, mais. Reste. Allez, une chacune. Nous, on essaye sur les ballons. Très bien. On va monter, vous savez, les pieds croisés, comme fait très justement Maïté, parce que c'est les pieds en pointe,
ça va nous permettre d'être droite pour n'importe quelle position sur la tête. C'est de la technique. Quand vous serez bien, c'est le dernier cours du mois, hein, ce soir c'est Halloween. Ah, très bien. On va rendre hommage au monde invisible, hein, c'est très important. À ceux qui nous ont quittés, qu'on a beaucoup aimés. Et puis, vous pouvez varier de position. Mais j'aurais aimé quand même que vous fassiez idle pose avec vos jambes. Vous savez, hein, ça se croise, voilà. Il y a quand même cette notion un petit peu de lâcher prise et, dans ce cours. Et ici, on va encore resserrer le périnée. Bien sûr, on choisit cette asana puisque on va respirer de la gorge. Et vous allez sentir que la respiration est vraiment infime, toute petite. Ce qui va calmer tout élan de colère, toute animosité en vous. Ça va la détruire. Ok ? Ici, on retrouve un calme, beaucoup de sérénité. Et vous savez, c'est la meilleure position pour tout ce qui apparaît féminin. Il serait bon de la pratiquer 5 minutes. Avec nos meilleurs amis la Will, c'est très facile. Sans notre ami la Will, il faudrait prendre le temps d'augmenter au fur et à mesure le temps. Commencer par 30 secondes, ensuite 1 minute, 1:30, 2 minutes, etc. etc. Donc ça demande un peu d'entraînement, tout simplement pour les cervicales et pour les mains qui tiendraient dessous le bas du dos. Ça fait très très mal. Je ne vous conseille pas de faire 5 minutes sans jamais l'avoir pratiqué. Vous vous feriez mal. Tandis que là, notre meilleure amie, la Will, eh bien, elle fait tout le travail pour nous. On peut rester les 5 minutes. Et du coup, pour l'organisme, on a 100% des bénéfices de cette asana. Vive le progrès, vive la Will. Si vous l'avez, utilisez-la. Utilisez-la. C'est compliqué avec le ballon. Ça rien. Ouais, c'est trop mou. C'est tout mou. Un tout mou. Bon, alors j'essaye même pas. Non, c'est bon, t'inquiète. Non, regarde la Maïté si je peux me permettre. Parce que toi, tu as des soucis un petit peu, presque plus même, des cervicales. Des cervicales. Hein, d'accord, c'est juste pour ça. Ah, moi, je peux pas parce que. Là, oui. Là. Toujours on rapproche les coudes l'un de l'autre pour avoir là ici on peut passer un peu en diamant mesdames. Je peux remonter un peu en croisé pour comprendre l'astuce du croisé pour avoir le corps droit. Et doucement, je peux hop, changer en eagle pose, garde. Toujours le pied vers la haut pointe. Voilà. Rectifier bien sûr la droiture. Je défais, j'écarte les jambes, pieds en flex, comme si vous les touchiez au sol. Je plie de nouveau diamant. Puis de nouveau, les genoux se touchent. Je tends vers le haut. C'est la droite qui passe par-dessus la cheville gauche. Je travaille ma droiture. Je descends, j'enlace sur un eagle pose, je travaille pied en pointe et je réessaye de trouver ma droiture. Vous restez le temps que vous voulez, sinon vous pouvez descendre, travailler un petit peu la charrue, accrocher les pieds ici à l'arrière, pousser plus. Pour défaire la position, je plie les deux genoux près de mon nez et mon nez suit mes genoux ici tout doucement. Je reposerai les genoux qui se regardent, les genoux qui se touchent, les pieds qui se regardent. Vous avez tout le temps, hein, je ne vous presse pas. Posez les mains à plat et on va tourner un petit peu la nuque à droite à gauche pour enlever les tensions s'il y en a dans la nuque, on ne veut pas les garder.
on élimine. Je vais arrêter ici de filmer. Je remercie Lise. Nous lui souhaitons un très bon voyage, beaucoup de réussite. Nous remercions Maïté, la fabuleuse Maïté, extrêmement souple, extraordinaire. Et la joyeuse et très heureuse Sophie. Je vous remercie d'avoir participé à cette séance. La dernière partie du cours, nous allons pratiquer le mantra Ra, Ma, Da. Ça, c'est, so, qui est un des mots.